Yes. C'est bon. C'est la dernière semaine avant les vacances, si je dis pas de bêtises, les frérots. Dernière petite ligne droite, et ça va être les vacances de Noël. Ça dit quoi la Coupe du Monde? Les gars, je vais pas vous mentir, mon pronostic à la base des bases, c'était le Brésil. Nedim, c'était quoi ton pronostic? La France. Pronostic France depuis le début? Ouais. Et pour toi, ceux qui vont gagner? Non, c'est Maroc. Ah ouais? T'es sûr, Maroc? Toi, c'est Maroc là? Non, pour moi, c'est France. Ils ont Kiki, ils ont Griezmann. Ouais. C'est bien. Je vous avais mis sur Instagram, je voulais tester tes connaissances sur le foot, mec. J'aime pas trop beaucoup ça. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu fais un drapeau et je le dis. Je vais tester tes connaissances avec Rémi, les refs. Ok, on va voir si vous êtes calé niveau foot. Là, j'ai plein de questions. Les abonnés, ils ont préparé des questions. On va tester votre connaissance sur le domaine footballistique, mec. T'es prêt? Vas-y, attends, je te pose juste une petite question. Moi, j'ai deux sons de cuit. Nadim, pourquoi t'as deux sons de cuit? J'ai 200 cuits. 200 cuits? Bah oui. Pourquoi? Parce que je suis intelligent. Logique. Les gars. 2 plus 1, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 8, 16, 16 plus 16, 32. 32 plus 32, 164. 32 plus 32, combien? 164? Ouais. Ah franchement t'es chaud. Nadim, c'est quoi la Coupe du Monde? Genre c'est quel pays qui s'affronte? Enfin c'est quoi? C'est quoi la Coupe du Monde? Explique-moi c'est quoi. Bah c'est du foot. Logique. Ouais. Si tu gagnes la Coupe du Monde, bah t'as un trophée. Ouais mais c'est quoi la compétition en gros? C'est quoi? C'est qui s'affronte? C'est le Maroc. Non, moi je suis de son de cuit. C'est qui s'affronte? C'est le Maroc. Non, y'a pas que le Maroc et la France. C'est qui s'affronte? C'est les pays du... Portugal. Non. Comment ça t'as 200 de cuit? De Tunisie. Moi je suis de son de cuit. La Coupe du Monde, c'est les pays de quoi qui s'affrontent? C'est des joueurs qui s'affrontent. Franchement, c'est ça. C'est les pays... Oui. De quoi qui s'affrontent? Bah la Coupe du Monde, en fait, où tu es en finale, et après t'es en demi-finale, et après t'es... Genre, attends. Vas-y. Une explique. Explique bien aux abonnés, s'il te plaît. 6. Drapeau. Il y en a un qui s'affronte. Il y en a un qui s'affronte. Ça fait 5. Non, ouais. Et il y en a encore un qui s'affronte, ça fait 4. Là, encore un qui s'affronte, ça fait 3. C'est-à-dire en finale. Encore un en demi-finale. Et à la fin, c'est la finale. La finale, c'est... Ouais, ça doit être ça. Ouais. Les gars, est-ce que vous avez capté? Perso, moi j'ai compris. Toi, tu t'y connais bien, toi. Ouais. Toi, t'es quand même assez bien calé. Hein. Ta petite main sur la hanche là, ça veut dire que tu contrôles le sujet, mec. Moi, j'ai deux sons de cuit. Les abonnés, ils ont préparé quelques questions, tout ça. Tu vas répondre un peu à ces questions là. On va voir qui est le meilleur. Déjà, la question tout à l'heure, c'était la Coupe du Monde, c'est les pays de quoi qui s'affrontent? Nadim, il n'y a pas trop su répondre. Bah, du monde. Let's go! Yes. C'était ça la réponse. Mais par contre moi aussi. Oui c'est vrai t'as répondu ça. Oui quand même c'était juste. Non. On commence avec les questions de la Coupe du Monde les gars. Je vais poser 5 questions à chacun. C'est lui qui gagne, je lui donne 20 balles. Nadim, première question. Je vais te donner une liste, ok? Dans cette liste, tu vas me dire quelle équipe de foot n'était pas qualifiée à la Coupe du Monde cette année, ok? Tu peux pas le savoir, je t'ai pas encore donné la liste. Ok. T'as bien compris la question. Ok, c'est bon. Portugal. Ah, j'ai pas posé la liste, attends. Entre l'Italie, le Cameroun, la Serbie, la Pologne et Marseille. Il peut y avoir plusieurs équipes. Donc là, tu me dis quelle équipe n'a pas été qualifiée pour la Coupe du Monde cette année. Entre l'Italie, le Cameroun, la Serbie, la Pologne et Marseille. Ok, déjà Portugal. Portugais, ils ont pas été qualifiés? Mais il est pas dans la liste! Nadim, fais un effort! Genre, ils ont pas pu participer à la Coupe du Monde. Ne me dis pas Portugal, je l'ai pas dit. Vas-y. Il a pas compris. Quelle équipe ils ont pas joué? Moi, j'ai deux sons de cuit. Tu vas jouer en roue et je parle. What? Mais. Quoi? S'il te plaît, fais marcher ton cerveau 12 secondes, sinon on va pas y arriver, c'est la première question. Regarde, les équipes que je suis en train de te dire, il y en a qui ont pas été présentes dans cette Coupe du Monde. Mais c'est pas possible, c'est catastrophé. Italie. Regarde avec sa main là, il met tout. Arrête de le caresser depuis tout à l'heure là. Ah, entre... Voilà, oui, entre ça là. Allez, c'est qui? Redis. Italie, Cameroun, Serbie, Pologne et Marseille. Marseille. Première. Et est-ce que t'en dis plusieurs ou un seul? Un seul. On valide? Ouais. Ok, c'était une mauvaise réponse. Il y avait Marseille, mais il y avait aussi l'Italie. C'était une question piège. Oh, mais j'avais... Oh, mais... Ouais, je suis désolé. Tu veux... Redis. Je viens de te dire la solution. Mais gros, dis donc. Mais c'était Italie. Bah oui, je viens de te le dire. Italie et on Marseille. On s'en fout, allez. Première question, Nadim, malheureusement, tu n'as pas... Rémi, il est plus... Normalement, il sait plus que moi parce qu'il est né avant moi. Mais je suis né après. T'inquiète pas, j'ai choisi des questions compliquées. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et en plus, c'est cette année, donc c'est pas parce qu'il est né après. Ça n'a rien à voir, ok? Si. Quelle équipe, Rémi, a remporté le plus de coupes du monde dans son histoire? Oh oui, je sais c'est quoi. Quelle équipe? Je l'avais il y a deux jours. Oh non mais à la cantine on s'est dit ça. Attends. Je suis en train de faire un truc avec les gars les plus... Attends, je t'ai dit un truc. C'est soit le Brésil. C'est l'Argentine.
Je regarde pas le chat. T'as regardé non, le non, chat non, non, vraiment, je suis sûr que non. Non, j'ai dit avant. Change de question, j'enlève le chat. Mais t'es pas. Tu sais, j'ai même pas regardé le chat. Enlève le chat. Arrête de tricher, gros sac. Mais c'était Portugal en plus. C'est pas Portugal, toi. C'est toi. Rémi, s'il te plaît, cite-moi 5 joueurs dans l'équipe de France. Mbappé. Mais c'est trop facile. Non, Nadim, c'est faux, tu le sais pas. Arrête. Nadim, c'est quoi, tu réponds après, on va voir ce qui arrive. Ceux qui sont sur le banc, c'est bon. Non, 11 titulaires sur le terrain, pardon. Mbappé, 1. Il a dit en Griezmann, 2. Giroud, 3. Veretout, 4. Il en reste 1. Hugo Lloris. Ok, c'est bon, 1-0 pour Rémi. Regarde l'autre, il va encore parler. Mais donne-moi des faciles, toi, tu donnes les plus faciles à Rémi. Dis, Nadim, recite, c'est 5 joueurs qui ont joué là. Antoine Griezmann. Ok. Kylian Mbappé. Après, ils ont pas les autres. Paul Pogba, il est blessé, alors ça compte pas. Ok, bonne remarque. T'as juste à répéter ces joueurs. Je plus. Vas-y, bah du coup, tu les as pas. Mais lui, tu les as pas, il vient te les dire, tu me dis c'est facile. Nadim, prochaine question. Combien? Non, tu vas dire celle-là. Antilles gagné de. Combien le Paris Saint-Germain ont remporté de Coupe du Monde? Mais aussi gros! Mais je n'aime pas toujours. Tu donnes toujours les plus faciles à Rémi. C'est quoi? Mais quoi? Que tu donnes toujours les plus faciles à Rémi, tu donnes les plus durs à moi. Nadim. Pas avant 10 euros, c'est même pas son compte, c'est pas 1 euro. Le Paris Saint-Germain, c'est quoi? Bah, c'est un pays. Ah! Bah, genre, c'est un pays. Mais c'est un pays, ouais. Bah, un pays. Bah, le pays, il a remporté combien de Coupes du Monde? 2. Mais ça, c'est la France, ça, Nadim. Non, 1. Mais non, 6. Nadim. Quoi? Moi, je suis de son du couille. Nadim, écoute-moi, je suis désolé. Le Paris Saint-Germain, c'est pas un pays. Comment ça, mon ref? C'est une ville, le Paris Saint-Germain. Ils ont pas remporté de Coupe du Monde. Ils jouent pas la Coupe du Monde, le Paris Saint-Germain. Les gars, Nadim, il est en train de bouder. Attends. Regarde, je vais dire un joueur et je dis le pays. Ok. Tu vas donner 6 joueurs et leur pays. Non, 5. 6. 5. 6, c'est moi qui décide. 5. C'est moi qui décide. 5. C'est moi qui décide. Sinon, c'est perdu. Ok. Allez, 6 joueurs et leur pays. Tu n'as pas le droit de dire Mbappé. Parce que tu le dis tout le temps, sur Antoine Griezmann. Dans la France. Déjà Messi, Argentine. Argentine. Cristiano Ronaldo, Portugal. Ouais, c'est fini. Neymar Junior, dans le Brésil. Mais c'est Jackass. Mais non, j'en ai dit plus. Il a dit c'est Jackass. Moi, je suis de son de couille. Moi aussi, j'en avais dit deux. Moi, j'étais déjà. T'es à 4, il en manque 2. Attends, je peux juste dire les pays. On a dit, vas-y. N'Golo Kanté. Espagnol. Non. Si. Non, N'Golo Kanté n'est pas espagnol. Mais il faut pas l'écouter. Nadim, viens. Si tu réfléchis bien, tu peux trouver, Nadim. Viens. On voulait 5, on est à 4, il en manque 1. Japon. Sicile. Par contre, c'est un vrai joueur. Je l'ai vu à la télé. C'est Neo ou Noé. Noé. Ouais. Ou Neo ou Noé. Ça, c'est un joueur du Japon. Ouais. Donc là, si je vais regarder sur Google. Non, mais en fait, je l'ai vu à la télé. Je l'ai vu avec un masque noir. C'est Inazuma Eleven, Nadim. Mais non. Mais tu donnes toujours un champion. Nadim, c'était pas dur, c'est toi qui as décidé. Mais oui, il confond avec Sun. Mais non, mais frère, lui, il a vu un gars avec un masque, il a donné un nom au hasard. Neo. Bon, Nadim, viens. Nadim, c'est quoi? Je te donne un point. Parce que... tu le mérites. Alors, prochaine question pour Rémi. Rémi, est-ce que tu es prêt? Ouais. Je vais t'enlever le chat parce que je sais que t'as un tricheur, quoi. Dans quelle équipe est le joueur et l'attaquant, plus précisément, Dusan Tadic? Ok. Dans quelle équipe? Déjà, c'est pas Cameroun, pas d'Afrique. Je te laisse parler. Pas Tunisie. Ouais. Pas Algérie. Ok. Pas Pologne. Ouais. Est-ce que c'est l'équipe genre Paris Saint-Germain, Marseille, des trucs comme ça? Non, mais non, c'est la Coupe du Monde. Pas Maroc. 3, 2, 1, tu es moche! C'était la Serbie. En vrai, c'était devinable. Les frères, la Serbie, ils ont que des hits à la fin. Tadic, Mitrovic. Nadim, à toi de jouer, Nadim. Est-ce que tu es prêt, Nadim? Non, facile. Combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de foot sur un terrain? Combien y a-t-il de titulaires? 12. Moi, j'ai 200 de couilles. Tu veux? Titulaires, j'ai cru de joueurs. Ah oui, oui. Ok. Non, pourquoi viens, on fait les joueurs. Mais c'est les joueurs. Mais je dis. Mais tu vas pas dire les joueurs à 5 questions. Mais non, je te parle. Combien de joueurs tu m'as dit? Bah, il y en a 12 qui jouent dans un match. Viens voir. Non, combien de joueurs dans une équipe? Oui. Bah, il y en a 12. Il y en a 11. Ouais, t'as faux. Arrête, c'est toi. Rémi, il a pas marqué de points non plus. Bah, oui. Donc vous êtes égalité. Ouais. Donc ça va, c'est bon, pas besoin de ranger. Allez. Rémi, prochaine question. Combien d'équipes ont participé à la Coupe du Monde? Combien de pays, pardon? Ok, on va tous les refaire.
parce qu'il y en a, ils participent pas. Deux pays ont participé à la Coupe du Monde 2022. Maroc, France, Tunisie, Cameroun. Mais frère, arrête de faire genre, tu vas jamais les avoir. Si, si, attends. Oh si, j'ai fait le panel, je m'attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. 32. Oh mon chien. Nadim, question. C'est quoi, je vais essayer quelque chose. La question d'avant, il y avait combien de joueurs titulaires? Il y en avait 11. Maintenant, combien y a-t-il de joueurs au total sur un terrain, Nadim? Viens, rapproche-toi, Nadim. Mais non, mais... Avec une autre équipe. Avec une autre équipe. Viens, regarde. Genre, il y a deux équipes. Donc, combien? Genre 10, 10, une équipe ça fait 10 là. C'est-à-dire ça fait 20, c'est-à-dire ça va faire 22. Wow. Rémi, Rémi, j'avoue, je te pose des questions de ouf depuis tout à l'heure et vu que t'as pas de cerveau. Dans quelle équipe est Achraf Hakimi? C'est Maroc. Bonne réponse pour Rémi. Arrête, toi, tu connaissais toi? Ouais. Ok, vas-y, maintenant tu fais une question, celui qui répond plus rapidement il a gagné. Ok. 3, 2, 1. Qui a gagné le dernier Euro? J'ai perdu pour Rémi. Nadim, Nadim, Nadim. La dernière coupe de l'Euro. Redis. Nadim, t'as très bien compris. Oh mais ouais, j'ai 4 de QI, je suis débile. Quelle est la dernière équipe à avoir remporté l'Euro? Il l'a pas, il l'a pas. Italie. Non mais il a regardé là, là. Mais non, mais même pas. Je t'assure, je t'assure qu'il a pas regardé. Je t'assure qu'il a pas regardé. Je le regardais, gros. Il aurait pas réussi à lire. Il a regardé à côté. Il aurait... C'est trop dur, regarde, tu veux comment? C'est comment, là? Non. C'est la victoire de Nadim. Il a triché. C'est la victoire de Nadim. Allez, allez, sur ce, frérot. Ciao, bye bye. Rémi, merci d'avoir participé. C'est Nadim qui remporte. Dégage, dégage. Allez, c'est ciao, bye bye. On est d'accord qu'on a triché. Ok, je t'ai dit l'Italie, donc je te donne pas 20 euros. Bah, 10 euros. Non, non. 5 euros. Non, mais t'es un ouf, toi. Je t'ai laissé gagner, frère. Et tu veux que je te donne de l'argent? T'es un ouf. Mais dis 5 euros. Non, non. Mais je veux pas donner de l'argent, frère. C'est moi, je t'ai donné. Bah, quoi, c'est moi, je t'ai dit l'Italie. Bah, si, j'allais dire Maroc, moi. Moi, j'ai 200 de couilles. Bah, t'aurais perdu. On sera encore là pendant 8 heures, donc vas-y, frère.